Ce résumé vous est présenté par FedEx et Gazprom, sponsor officiel de l'UEFA Champions League. Superbe passe vers Pizzi. Il y a une faute. On laisse l'action se poursuivre avec Yaremchuk et Rafa Silva. Le pied gauche et le but. L'ouverture du score pour Benfica. 10 minutes de jeu. Et ces ballons là dans la verticalité à chaque fois pour casser des lignes. Elle est belle cette action. Elle est belle cette finition. Donc avec l'international portugais. Madueke, alors, ça passe, centre-pied droit, oui c'est bon. Oh là là. Avec cette intervention essentielle devant Zahavi. Gakpo maintenant, ça c'est peut-être pas mal avec l'enchaînement, la frappe. Oui, j'ai cru qu'il pouvait la tenter un temps plus tôt, oui. Mais finalement ça oblige quand même Vlachodimos à sortir cette intervention. Mais c'est bien joué. Alors, superbe transversal ici avec Pizzi, le taulier de cette équipe dans le secteur offensif. Derrière, c'est Otamendi, vous le savez. Il va essayer, Verissimo. Oui, pourquoi pas quand on voit le ballon qu'il envoie. Super frappe, hein. Super barré aussi, Dronel. Pizzi. Nous sommes dans les dernières minutes, hein, de cette première mi-temps avec Otamendi. Et ils vont marquer, voilà. Ils vont mettre le deuxième. Un au début, un à la fin de la mi-temps. Et c'est Weigl qui fait 2-0 pour Benfica. C'est quasiment du 100%. Hein. Oui, oui. Bah, les phases arrêtées, on avait parlé de leur qualité dans le jeu aérien, défensif, mais aussi offensif. Otamendi, c'est pas le plus grand, mais ils ont oublié qu'il sautait très haut et qu'il a un super timing. Naïf quoi du côté du PSV. C'est un peu ce qui traduit, je trouve, leur première mi-temps, Vincenzo. Un peu naïf. Pour Max. Ah oui, il a vu l'appel de son capitaine Van Ginkel de la tête. Oh, qu'elle était belle. Celle-là, l'envolée de Vlachodimos. Bonne anticipation là de Max par contre, et ça c'est une situation intéressante pour le PSV avec Gakpo qui peut décaler de l'autre côté. Zahavi justement, il préfère frapper et marquer. Oh, qu'il est beau ce but là, c'est 2-1, 5 minutes après le début de la deuxième mi-temps. Eh bien, il a été le chercher tout seul, hein, le grand Gakpo là. Ouais, il a fait la différence et je crois qu'il prend une petite revanche aussi par rapport à sa première mi-temps en dehors de l'occasion qui s'était créée. Bon, il n'y avait pas grand-chose ici, il fait bien les choses tout seul. Il a ignoré ses partenaires, mais à bon escient. Le coup de coin joué en trois temps et maintenant Götze, ça doit être but. Oh, c'est Rafa qui vient lui chipper le ballon, il doit enchaîner un petit peu plus vite. Le voici avec Madueke. Oui, pour... Oh, Zavi. Et Vlachodimos. Le centre de Mouelé était excellent. Oui, superbe. Gakpo. Ouais, il peut encore aller se la créer tout seul. Oh, quelle frappe puissante, plein axe.
Gakpo, malgré son mètre 90, c'est lui qui donne cette phase arrêtée avec ce ballon qui va sur les points de Vlach Kodimos. Ah, j'ai cru qu'il allait frapper en un temps, Bruma. Non, le ballon second poteau, c'est pas mal avec Vortesson qui était là pour tenter de reprendre ce ballon éventuellement. Ce résumé vous a été présenté par FedEx et Gazprom, sponsor officiel de l'UEFA Champions League.